nous avons Pascal avec nous. Bonsoir Pascal, comment ça va? Oui, bonsoir David. C'est Pascal le Troubadour, tout feu, tout flamme, qui salue bien ces dames. Naturellement, tous les auditeurs de la radio ici maintenant, l'antenne, la radio, où il se passe plein de choses, plein de petites choses qui ne se passent, enfin, qui se passent nulle part ailleurs. Hein. Donc je tenais à vous féliciter, David, pour nous avoir fait entendre la belle chanson de Moustaki, Georges Moustaki, Ma liberté. Alors c'est vrai que d'autres l'ont chanté, comme Serge Reggiani, j'aime beaucoup aussi sa version à Serge Reggiani. Et puis alors, oui, vous avez commencé par les portraits d'aujourd'hui, de médiatiques qui touchent ce qu'on appelle l'actualité, hein, le racisme. Bon, ben ça c'est en effet, ça devient récurrent tous les jours, on en entend parler par les médias, directement ou indirectement, les sujets sont toujours portés sur, je dirais, la sinistrose. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais la solution, David, c'est en effet, pour moi, je pense, c'est revenir aux fondamentaux. Que les personnes qu'on prend pour des nomades soient comme leurs ancêtres, des sédentaires, des paysans. Voilà. Il y a eu d'ailleurs de grands musiciens français, comme Déodat de Sévrac, pour ne citer que lui, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu le poète aussi, Frédéric Mistral, qui ont fait de belles choses en poésie, en musique. Et aujourd'hui, je voulais vous inciter, vous encourager, David, parce que je sais que vous aimez la belle musique et que vous aimez aussi la poésie. Donc là, il ne s'agit pas d'une chanson, hein, c'est l'introduction de Marcello, c'est un musicien italien, Marcello, ça s'écrit comme Marcel, sauf qu'il y a deux L O à la fin, hein. Marcel, deux L O, voilà. Et le morceau à écouter, c'est très court, hein, ça dure moins de 2 minutes, c'est l'introduction, c'est merveilleux, puisque bon, en écoutant cette musique qui est du 18e siècle, on a l'impression de voyager, parmi les oies sauvages, les oies blanches, vous savez, David, hein, c'est des oiseaux magnifiques. Hein. Alors, vous écoutez cette musique, oui. vous avez l'impression qu'elles sont dans le ciel comme ça, parcourant les beaux jardins du château de Chambord, vous savez, qui avait été construit à l'époque justement par des Italiens sous la demande de François Ier. Voilà, voilà. Donc, et puis aussi une chanson que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien vous faire partager à vous et aussi aux auditeurs de ici maintenant. Vous aimez le whisky Est-ce que vous avez déjà bu du whisky? Est-ce que vous appréciez cette boisson, David? Bien sûr. Whisky, vodka, champagne. Oui, donc je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Alors, est-ce que vous aimez la cigarette? Je ne fume plus. Pendant des années, j'ai fumé. Pendant 40 ans. Oui, vous avez déjà fumé. D'accord, très bien. Oui, pendant 35 ans, j'ai fumé. Est-ce que vous aimez le cigare? Les jolies filles qu'on appelle des poupées, les petites pépées. Ah, pour moi, ça c'est fini. Quand vous étiez étudiant, marié maintenant, même maintenant, je ne pense parle pas que de ça. On l'a en soi en tant qu'homme. Ça, bien voilà, sûr. Voilà, j'entends un rire. Ça signifie que oui. Alors, moi, je vous conseille de nous passer, parce qu'en effet, on ne l'entend jamais sur les radios d'aujourd'hui, parce que c'est une chanson des années 60. Ça a été repris aussi par d'autres. On la connaît, cette chanson. Donc, c'est Cigarette, Whisky et Petite Pépée. Bon, il y a eu Eddie Constantine qui l'a chanté, qui la chante très bien, mais elle est incomplète. Après, il y a eu même Annie Cordy qui l'a chanté. Il y a eu aussi un trio avec Sacha Distel. Il y avait Claude François. Puis il y avait un trio. Le troisième, ça devait être Enrico Macias. Alors, c'était marrant, puisque bon, la chanson, elle est marrante en elle. Et ça parle de ces trois thèmes, cigarette, whisky, petite pépée. Mais moi, je vous conseille de nous passer la version, parce que j'aime beaucoup ce chanteur qui nous a quittés, hélas. Mais bon, de toute façon, à l'époque, il devait avoir 20 ans ou 30 ans. Il s'appelle Philippe Clay. Clay, ça s'écrit C-L-A-Y. Alors, si vous arrivez à nous passer ça ce soir, c'est du bonheur, aussi bien pour les messieurs que pour les dames.
Et peut-être après, juste après avoir passé cette chanson et la musique que je vous ai demandé, là, de Marcello, et ben peut-être qu'il y aura des petites pépées qui vont appeler, pourquoi pas. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, une bonne continuation, puis aussi peut-être de bonnes vacances. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir. Tes moteurs, tes sirènes, on n'entend plus couler la Seine. Ta gueule Paris, ta gueule. Arrête tous tes marteaux-piqueurs, on n'entend plus battre ton cœur. Ta gueule Paris, ta gueule. Pour vivre avec le temps qui passe, tu fais des tours à Montparnasse. Ta gueule Paris, ta gueule. C'est pas parce que t'as la fringale qu'il fallait faire sauter les halles. Paris, Paris, tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours quand même, même si tu te fous de mes problèmes. Mais tu joues trop avec mes nerfs, je dors plus, j'étouffe, je manque d'air, je vais me mettre en colère. Ta gueule, Paris, ta gueule. J'ai rien contre ton RER, mais qu'est-ce qu'il remue comme poussière. Ta gueule, Paris, ta gueule. Je veux pas attaquer ta défense, mais c'est Brasilia, Made in France. Pourtant tu seras chouette ma ville, toi le Paris de l'an 2000.